Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voyez derrière moi le magasin. Je ne sais pas si vous avez connu. En fait, là, je vais aller voir la personne et je vais acheter le stock de son magasin de jeux vidéo. Il avait un peu de tout, c'était des pop, des trucs comme ça et tout. Et il avait un petit peu de jeux vidéo. Il lui en reste. J'avais pris contact avec lui, j'ai beaucoup de téléphones de collectionneurs, quoi que ce soit. Et là, on y va. Alors, ce qu'il faut. Ah oui, c'est le coffret Dark Souls. Ouais. Ah oui! Ah putain, je pensais pas que t'allais ressortir le coffret Dark Souls en première. T'as pas? Tu peux le tenir juste. Ouais. Alors? Putain! J'ai jamais sorti de sa boîte. C'est normal, j'ai un contre-jour là. J'aime pas trop les contre-jours. Elle est pas dedans là, c'est quoi ça? Il y en a deux? Ouais. Ah ouais? Là je savais qu'il y avait deux. D'accord, ouais. Ça rend bien. Ah, je suis même pas sûr, toi j'ai un contre-jour, je crois que je vais me mettre un peu sur le côté. Pour ça je te dis ça va prendre du temps. Putain, c'est vrai, il y a les poignées sur le côté de toute façon. Ah, il est quand même balèze, ouais. Ah oui, tu vois, c'est de la résine, c'est pas à la main, c'est pas de la merde. Mmh. Très très lourd. Moi qui ai l'habitude de voir certains coffrets collector, même le Resident Evil, pourtant que je l'ai, c'est pas. Non, je t'ai dit, là, on est sur du haut de gamme. C'est son socle. Ouais, faut que je bouge le truc. Ouais, hop. Non, il a une grosse soumission. Hop, ça. Ouais, il est neuf, il a pas un pet. Ouais, mais il est un peu. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est le truc, il est comme ça en fait. Ah, c'est les frottements, ouais. T'as des micro-rayures et tout, t'as les frottements. C'est les frottements. Oh. Ça c'est d'usine. J'ai. Putain! C'est quoi qu'il y a? Je sais pas. Je sais pas, pourquoi attends. C'est quoi qu'il y a de ce côté là? Eh mais moi je suis curieux. Je suis curieux parce qu'elle vient voir. Vous voyez comment ça me gonfler ce petit fils de pute là. Je vais sortir mon pétard, je vais lui mettre dans sa gueule quoi. Faut pas me chauffer moi, par contre. Ah mais il y a le steelbook aussi là. Oh putain. Ah ouais, l'artbook, le steelbook. D'accord. Ah, c'est exactement le même que celui sur PS4. Ah oui, c'est la même chose.
ok. Allez, go. C'est juste que je voulais vraiment voir le truc, comment il était. Hop. Vas-y. Tu peux le remettre directement là-dedans. Non, c'est une belle pièce. Bon, vas-y. Ok. Alors. Donc, ouais. Oh bah oui, il est plus tard, hein. Mega Man Legacy Collection avec l'Amiibo. Ouais. Le fantôme. Ah putain, attends, mais j'en ai jamais eu des... Ah ouais, non, c'est normal, ouais. Je croyais... En fait, c'est des... T'as plusieurs qualités au oui. niveau des boîtes. Ouais. Et j'ai l'habitude... J'ai des... Comme celles-là, elles sont pas pour... Elles sont chiantes à ouvrir, surtout, aussi. Ouais, mais ça protège bien. Ça, le truc, aussi. J'en ai quelques-unes comme ça, mais j'en ai jamais tellement réussi à les trouver sur eBay. Oui. Elles sont... Mais ça, faut les importer d'Angleterre, en gros. Parce que t'as les Chinois, ils sont, ils ont des. C'est propre quand même. La boîte, elle est propre. Elle est vraiment comme, elle est vraiment neuve la boîte. Ouais. Elle est restée. T'as plus de batterie hein? T'as plus de batterie? Ah, si, c'est maçonnerie, ce que j'entends pas avec le boulot, sinon. J'ai fait une sonnerie assez. Non, c'est un mec qui l'avait, il a toujours eu comme ça depuis que j'ai eu. D'accord. Ok, putain, c'est une grosse notice sur celui-là. Tout est à l'envers. Il m'a énervé là. Je veux bien qu'il passe une fois, mais au bout de la quatrième, ça commence à me gonfler. La gêne, c'est pas assez grand, tu sais. Il y a le rabat qui me gêne. Heureusement, tout ce qui est Game Boy, Game Boy Advance, c'est parfois un peu hop. Complexe. Une boîte en carton, ça a 20-30 piges. Personne ne veut avoir comme ça. Hop.
je t'avais dit sur en français. Tu t'avais prévenu ça. Oh, je me rappelle plus. Juste pour la lumière, ouais. Parce qu'après, moi, si j'ai plus de lumière... D'ailleurs, je sais même pas si on... Bonjour. Non, mais c'est bon, mais juste que je regarde. Voilà, je veux pas l'abîmer. Parce que je suis assez maniaque avec mon matos. Et... Après, il va falloir que je fasse des coupures, des montages et tout. Ok. Ah oui, le crash test de nid. Ah oui. Ah mais c'est une version allemande en plus. Attends. Non. Les deux. Non, ouais, les deux, j'avais pas vu. Ouais. Voilà, c'est un multilingue, c'est une version Europe. Pas le version. Dès qu'il n'y a pas le version, c'est soit des multilingues, soit anglais. Ouais, des fois allemand aussi. Attends, mets-toi un peu sur la droite pour la lumière. Je suis chiant, mais c'est après, je vois que dalle, quoi. C'est chiant. Voilà. Notice est déchiré. Maximum 41. Et dire que je l'ai déjà en plus, celui-là. Elle est propre. La cartouche est propre. Le mien aussi, il est super propre. Vraiment. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, le Maximum Carnage, 6 mois, un truc comme ça. C'est bien, pour une fois, t'as des cales. Ouais. Le lot que je t'avais acheté la dernière fois, il y en avait pas. Je suis débiteur de ce que j'ai. Ouais. Non, bah après là les boîtes le lot il est plutôt propre en fait. Ouais les boîtes, bah après c'est suivant, tu vois les boîtes Game Boy ou Game Boy Advance et tout. Ah là il n'y a pas de câble. T'avais mis sur la vidéo, enfin sur le. Ah je me semblais que t'avais. Le Monster Max. Version Europe. Le Lolo 2. Il est beau. Ouais, c'est vrai qu'il est propre. Après, il est fort un peu. Si, c'est. Moi, j'ai pas confiance quand les boîtes sont super propres. Tu vois, j'ai vraiment. Je suis le genre vraiment parano, le vraiment casse-couille qui a. Je sais d'où il vient. Les boîtes Robro, mais c'est vrai que. C'est pas Robro. C'est un mec que j'ai écrit avec des boîtes qui étaient inégales. Après, lui, il n'y avait pas joueur en fait. Après c'est vrai que les boîtes à chaque fois que je t'ai acheté en super en S là, elles ont toujours été à peu près propres. Ça va franchement. Non, pas le B. Celui-là il est gagné. Il a de la gueule. Attends, je peux pas. Hop. C'est moi les notices que je les mets comme ça. Ah oui, pour regarder, il y a marqué Maximum Carnage, c'était. Ça rentre les jeux Mega Drive dans les boîtes comme ça, ça rentre hein? Les boîtes NES? Ah non, ça rentre. Pourquoi il y a marqué Maximum Carnage alors? Ah quoi que si, c'est possible, si. Bon vas-y, mais. Si ça rentre. Si je suis con. Ah ouais. Ah ouais. C'est un peu juste. Ça frotte en fait sur, si tu veux la garder vraiment. C'est pour ça que je l'ai enlevé en fait. Mmh. Après ça frotte, c'est pas bon. Hop. Je l'ai su en boîte en plus. Non pas le 2, c'est le 1 que j'ai. Ça fait rien. Le
Là aussi, la ZFP2 est plus rare que le 1. Ouais, je le vois. Après, le truc qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Oui. Et des fois, en fait, on a du mal à trouver des jeux, et d'autres fois... celui-là, il a de la gueule. D'accord. Ouais, il est propre. Hein. Et d'autres fois, après, putain, on les voit, on le voit partout. Hein. Attends. Donc, c'est vrai que... Donkey Kong. Oh putain, ça c'est les grosses boîtes. C'est les... Hop. Ah, il n'y a pas la mousse. Ah. FRA. Et c'est quoi qu'il y a? Ah ouais, c'est pas jeu. Un de ces petits. Je t'ai amené la boîte. Ouais. Il y a un autre ici aussi. Ouais. D'accord, ouais, bon, de toute façon. Après, c'est une version allemande. Voilà, c'est une version allemande, donc de toute façon. Qu'est-ce que c'est ? Traduit. Gargamel. Ah, je suis en profond. Ah oui ? Non. Ah ouais ? Ben non, tu vois. Donc la version française. C'était bien en fait. C'est français-allemand en fait. Ah, c'est français-allemand alors ? Ouais, je l'avais pas vu. Ah ouais. Je me suis fié à ça de Smurfen, tu vois. Ah ouais, ouais. Là-dessus, je me suis dit que monsieur, je peux peut-être traduire ce qu'il a dit en allemand. Ah ben, il est marqué mode emploi en français en bas, ouais, de toute façon. C'est bon. Donc. T'as pas besoin. Ouais, il se trouve facile, je suis en train de réfléchir. Je sais plus si je l'ai d'ailleurs ou pas. Je sais plus. Tu vois, le jeu Game Boy, le truc qu'il y a, c'est que j'en ai. Oh la vache. J'en ai quelques-uns en loose. Alors ça, hop. Hop. Donc, avant j'achetais souvent du loose, ouais. Et parce que c'est vraiment quand tu joues, tu prioritaire sur le loose, et puis après bon, je me suis mis à faire comme tout le monde, à acheter en boîte. Mais là pour de la NES, on est sur du propre, hein. Sur la NES propre, ça commence à... Après tu vas au Japon, tout est neuf, quoi. Ouais. Japonais, ils sont fous. Je le mettrai comme ça parce que. Les pires bâtards de la terre, c'est les ricains. Ils s'en battent les couilles. Et l'Angleterre. C'est des porcs, mais alors l'Angleterre, c'est vraiment des porcs. Ils niquent tout. Mais c'est culturel. T'as des pays, je te jure, ils sont plus soniques. Le Japon, c'est un truc de. Donc, Peter Mario. Là-bas, tu trouves des. En français aussi, pareil. De l'époque. Bayou Billy, j'ai même pas regardé. Bon, je vais les mettre comme ça de toute façon. Donc, ouais, celui-là, il n'y a pas la mousse. Enfin, là. Je pensais. Là, tu sais, tu dis ça avant d'arriver. Ah, les mecs, ils étaient là. Ils sont partis. Avec de leur fin d'interrogation. Ah oui, j'étais complètement con. Ça me délirait dans ce jeu. Ah. Ouais. Pardon. Là, c'est pas un blister viseré PS1. Ouais, je vois. Bon, on va finir. Metal Gear Solid. Ok. Hop. DuckTales. C'est la base. Hein ? Metal Gear, c'est la base. J'avais une édition. De PS2 là, c'était le Twin Snake. Non, c'est Metal Gear Solid 2 tout court. Ah oui, hein. Le Sun of Liberty. Ouais. Oui, non, The Twin Snake, c'était juste sur GameCube. Ouais, c'était sur GameCube, ouais. Je jure, franchement, pour moi, c'est la GameCube. Ah, bah, ils ont réédité au taquet de jeux de la PS1 et c'est devenu vraiment des pépites, quoi. Mais pour moi, la GameCube, c'est. Bon, après, c'est peut-être pas parce que c'est la première fois que j'ai acheté petit, mais.
J'ai commencé sur un Amstrad, moi. Ça, ça permet qu'on soit toujours en quête d'émotion, en français. Voilà. GameCube. Les vieux commencent sur les vieilles consoles. Ouais, c'est micro-ordinateur au début. Encore, à l'époque, ça coûtait un truc comme moi. Non, moi, en 88 ou 89, je sais plus, c'était... Ouais, ça a chuté un peu. Moi, je l'ai acheté, l'Amstrad, c'était un 6128 à disquette. Mais j'ai... ouais, il n'était pas excessivement cher parce que c'était, c'était d'occasion que je l'avais acheté. Pokémon Perle, c'est un des meilleurs de... FH. François Hollande. Hop, Shinobi. Apparemment, il est pourri. À ce qui paraît. J'ai jamais joué, j'ai même pas regardé de vidéo, mais je l'ai vu sur une vidéo il y a pas longtemps. Ah, je crois que c'est le joueur du grenier qui a fait une vidéo aussi dessus. Ouais, non, mais tu peux pas. Sur Shinobi ouais. Je crois. Ah, je sais plus. Non, mais c'est super dur. J'en ai vu un aussi, il fait téléport avec. À côté de Ninja Gaiden, c'est un jeu de Alors que franchement, c'est reconnu pour être vraiment casse-tête. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ninja Gaiden, c'est hyper. Merci, Europe. Mal à me faire au final. C'est une très bonne licence, Ninja Gaiden. Centipede, Breakout, Warlords. C'est de la merde que tu te rends sur face dans les packs. Ouais. Ben moi j'aime bien Centipede. Oui, mais dans le sens, c'est un jeu que tu trouves. Kick off. Ça rappelle les grosses soirées. Fall B, Ferra. Il y a un bout de. Oh. Ouais, il y a un bout qui a fait. Whoop. Attends. Pour la fin. Ouais, c'est ce que je te disais, enfin, moi c'est de toute façon les jeux de foot je les collectionne pas mais ouais. pour la collection il rentrera quand même dans la collection. Ouais, non, il a emboîté tout ça va. Encore. Tu sais qu'il y avait un jeu Super Nintendo Paris Saint-Germain. Ah Attends, je le mets dans l'autre sens parce que tu vois ça c'est bien pour abîmer les plastiques de hop, ça se met normalement hop, comme ça. Je te préviens sur coup delta, pour être fatigué, si vous êtes rayé, faudra les... Sur quoi? Sur coup delta. Ah, coup delta, ouais. Joli. Hein. C'est le père spirituel des Covenant et tout. Les Shadow Hearts. Ah oui, les Shadow Hearts, ouais, ouais, ouais. Oh putain. Heureusement, ça c'est des boîtes qui se trouvent faciles. Oui. Oh, ça va encore. Ah ça va, mais bon, voilà. C'est pas des rayures profondes. Enfin ouais, celui-là il tire un peu la gueule. Et faut que j'achète la machine là. La boîte elle est défoncée. Heureusement j'en ai une. Heureusement j'en ai une en 4 comme ça. J'achète. Vide grenier, j'achète les boîtes qui sont de CD de musique. Alors. Ouais, j'ai pris les piles, j'ai quand même les. Il est où? Même en étant vieux, tu vois, même en arrivant sur 40 ans, j'ai dans ma tête, je me rappelle même pas, tu vois, des Game Boy Fat de couleur comme ça. Ok.
Ouais. Alors, en même temps, si les contrastes ils fonctionnent. Normalement, ils avaient tout été révisés à l'époque. Ils sont propres. De toute façon, ça... j'ai, même quand elles tombaient en panne, je les réparais. Alors. J'aime... Oh putain. C'est de belle merde ça. Ça ronge. Tu vas prendre des pieds, on va y aller. Je suis pas sûr qu'elle fonctionne encore. Non, pas les piles, la console. J'en ai une comme ça qui avait pris cher et. Non, après, j'en avais déjà eu des comme ça qui avaient pris l'acide et pour juste les démonter. Ouais, mais j'en ai acheté une dans un lot pour justement les pièces. Ouais. Et en fait, ça avait carrément même cramé tout le circuit interne et tout. Ah ouais, non, c'est une horreur. Tu vois, elle est. Faudra que je la démonte et que je voie et tout, mais. Quand j'ai des pièces de rechange, mais justement faut voir en fait à quel niveau elle a été cramée en fait par, par l'acidité des piles. Faudra que je voie et je démonterai. De toute façon je suis équipé, j'ai le tournevis et tout. Donc tire la gueule, elle est jaunie celle-là de chez. Ah bah c'est le plastique blanc comme ça, il ne tenait pas. Ah j'en ai une, elle est comme neuve. Ouais, mais si elle a été exposée un peu au soleil ou des mers. Ouais, l'UV hein. L'UV c'est ça le problème, c'est qu'il faut pas. Le plastique. Ça je l'ai eu, elle était comme ça. C'est la matière qu'ils mettent dans le plastique. Ça là aussi elle fonctionne pas. Les piles elles ont pas aimé l'acidité à mon avis. Oui. Ok. Je la nettoierai la fat, de toute façon je vais voir. Parce que si tous les circuits sont. Mais je te jure, elle était cramée. Mais cramée, j'ai jamais vu ça. C'était une jaune. Il aurait fallu que je fasse. Celle-là aussi elle a pris l'acide. Hein. Faut que je nettoie. Hein. Celle-là non plus, elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas celle-là. Ah, la vitre, elle a été recollée à l'arrache en plus. Il y a le. C'était à la glu et ça a été mal fait. Je démonte aussi. Bon, ok. Et de toute façon, il y a de l'acidité aussi dessus. Donc, elle a l'acidité. C'est de son naze. Une bleue. On est à combien là? Une demi-heure. Je me détache. Ok. Ça va fonctionner. Ok. Ok, le contraste aussi. Pas d'autres Game Boy, mais. Deux Game Boy. Ok.
lumière à la con. L'accessoire. Ouais. Accessoire qui servait à rien. Non. Ça marche, ça marchait jamais. Ah mais c'est pour la pocket. Ah ouais. Ouais. Merde. Ouais, je dois être haut sur la, sur mon champ. Je dois être. Hop. Attention, c'est. Bomberman 2. Français. Ok. Ouais. C'est quoi cette notice? Pokémon. Pokémon or et argent. Pokémon or et argent. Donc Kirby Dreamland, FH, Street Fighter Alpha Euro et Metroid 2 FH. Boîte vide. Ouais, c'est pas une boîte française. Ouais, il y a la cale à l'intérieur. C'est espagnol. Ouais. J'en ai une Europe de toute façon, en boîte. J'avais pas la cale. Bon. Bon, ben celle-là, je vais l'ouvrir. Hein, vu que ça s'ouvre facile. En plus, il est pas serré le truc. Alors, ça. Je préfère te prévenir, s'il n'y a rien dedans, c'est que je me suis fait enculer l'électricité. Je préfère te prévenir, tu sais. Parce que je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a à faire. Attends. Hein. Il y a du chiffre. C'est pas ça, je suis suspect. C'est là, je fais, il y a 36 000 notices, quoi. Oh non, elle est bien neuve. Ah oui, elle est neuve, ouais. Elle est neuve. Elle est jolie en rose. Elle a un beau rose. La micro, elle a un super écran. Moi, je l'ai en vert. Il a jamais joué ça. Je l'ai en écran vert, en verte, moi. C'est une Game Boy qui a pas marché. Quoi. C'est un putain d'écran. Mais un truc de fou. Hein. C'est, t'as une qualité là-dessus. Incroyable. Je savais que je le connaissais pas. Si, mais c'est vraiment en fin de vie, vraiment de la Game Boy. Hein. Bah, tu sais, quand je vois le truc comme ça, moi je fais ah, j'ai fait moi jour parce que. Non, mais le mec, c'est un collectionneur pareil, il était avec nous. Ouais, mais bon, tu vois, il y a réglo, toi, ça fait longtemps que je t'achète des trucs, ça m'est arrivé et tout, mais bon, quand je vois que le truc, je l'enlève comme ça, tu sais, enfin voilà, quoi, hein. C'est... Ouais, bah, à mon avis, peut-être même avec le temps, il s'est détendu, en fait. Non, parce que, en fait, quand c'est bien serti, je pense que le mec, il a dû peut-être aussi le mettre, bon, je le laisse comme ça, j'ai pas envie, hein. Parce que j'ai... Faire des fausses factures, faire des faux trucs, des blisters, ouais. Ou quoi, c'est facile, tout le monde le fait. Ok, je l'ai en plus celui-là aussi. Le collector édition en version UK avec Zelda 1, 2, Ocarina of Time, Majora Mask. Sous blister donc. Ah. Un Silent Hill. Le soleil il commence à être. Casse les oreilles en plus et il avance pas avec ses merdes. Voilà. Français. Le soleil il commence à se coucher là. Je vais me dépêcher. Il est propre. Encore une boîte. Putain. Heureusement, je les ai utilisés. J'ai acheté du lourd derrière moi. Je vais les utiliser sur d'autres jeux. Attends.
boîtes elles sont neuves, les boîtes vraiment. Les boîtes sont neuves, les CD sont. C'est marrant parce que les boîtes sont vraiment neuves, mais les CD sont pas neufs. Ils sont vraiment pas neufs. Vas-y. Le mec il est pensé sur dire en course. En fait, le premier ils ont été normal, il est sorti une direct force. C'est, ouais, le director cut, c'est en fait la cinématique qui est pas censurée. Et il y a le sang et tout, elle est en couleur. T'avais la démo de Vendée R2. Ah, les boîtes elles sont neuves neuves quoi. Enfin j'ai regardé oui c'était français ça aussi. C'est français. Je viens de la même terre. Directeur cut. Heureusement que j'ai pris un gros carton. Donc, avec la démo de Resident Evil 2. Hop. Ah, les boîtes elles sont vraiment propres. Hein. Ouais. Pourtant j'en ai des boîtes propres. Hein. Je te dis, ah non, je te jure en plus, parce que. Celles-là, elles sont restées. PS1, j'ai vraiment des boîtes propres. J'en ai quand j'avais acheté un lot d'un autre magasin et tout. J'avais vraiment, j'avais eu des boîtes même neuves, vides, tu vois. Donc même la Dreamcast, j'avais eu des belles boîtes et tout. Ah, tu sens même au toucher que c'est lisse. Ouais, elles sont vraiment. C'est... Ok, en français aussi. Il va falloir que je dispose de ça mieux parce que. Il est grave dégueulasse celui-là par contre, le zéro. Il est cradé. Il est crade la boîte. Code Veronica, je l'avais sur Dreamcast, je l'avais pas sur GameCube. Moi je l'ai connu sur Dreamcast. Je l'avais fait à sa sortie sur la Dreamcast. Parce que je l'avais acheté à sa sortie quoi, sur la Dreamcast. Alors, j'ai toujours été un grand fan de Sega. Ah, Tactics que j'ai. Et une astuce, quand il y a marqué Nintendo comme ça, c'est officiel. En dessus des broches. Un perle. Merci. Tu me. Je t'avais acheté un perle la dernière fois. Non, là, je crois qu'il n'y avait pas un père. Ouais, c'était un père, là. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai vu pas le tir sur le couvert. J'ai le diamant. Ah, c'est un diamant. Non, non, c'est un diamant, hein. J'ai juste le diamant. Ah, bah alors. Ouais, après, il y a. C'est que du. Non, non, c'est. Non, non, c'est. C'est le diamant qu'il y a. Non, il y avait les deux, il y a le diamant, le perle et le rubis. Tu me diras sur les autres jeux, j'ai pas regardé, mais.
c'est vrai que hein, quand c'est des petits jeux ou des jeux pas très cotés, ils sont... Il est propre le rugby. Ouais. Ouais, il est propre. Hein. Franchement, il est propre. Ah oui. En français. Castelvania. Rome pour Quest. Je les ai tous ceux-là, de toute façon les DS. Ah ouais, mais il manque un truc qui est cassé. Le Wario Land 4. Bien sûr, il y en a partout. Ouais. L'Europe. En Europe. Ça là. Le Ghouls and Ghosts. Version française. Hop. Expansion pack. Ah, c'est pas l'expansion. C'est le jumper qu'il y a dedans. Ah, là, c'est le jumper. L'extension, il est. C'est quoi, t'en as un? Super, Rio, Balou. J'ai failli arracher le truc. On s'éclate comme des petits fous avec Super Balou. Ah, je vais regarder. Hein. La Ferra. Elle est un petit peu déchiré. Hop. Je me bien. Qu'est-ce que j'ai dit moi en fait? Oui, il y a Ferrin. Hein. Hop, il y a un français. Ok. Et Yoshi Island. Oui. FRA. Hop, pesé et reporté. Ah.
sur 7. Dans la peau du tueur. La notice en loose, j'avais la notice, je l'ai acheté sur un lot, un mec a deux notices. Ça, j'aimais pas les premières boîtes comme ça où tu avais la languette qui était directement dans le carton. C'était c'est super fragile. Ouais. Une fois, j'en ai acheté un où il y avait le mec, il a carrément scotché. Ah, alors pour le sortir. Je m'amuse à sortir en ce moment. J'ai acheté un jeu, un Zelda rouge. La boîte était scotchée. J'ai mis 5 heures à enlever tout le scotch. 5 heures. Bah, j'ai l'habitude, en fait, je le fais, mais là c'était un vieux scotch avec une vieille colle toute pourrie. Oh, ça m'a saoulé. Hein. Autrement, je le fais le plus souvent. Des fois, j'aime bien acheter des jeux justement avec où il y a les boîtes avec du scotch parce que c'est moins cher et moi je les enlève parfaitement bien. Parce que c'est pas, en fait, je sais pas pourquoi, des fois les mecs ils mettent du scotch, tu vois, pour sceller les trucs et tout. C'est n'importe quoi. Ouais, il va falloir que je démonte et nettoie les broches. Au fond, mais bon, alors, le cool spot. Captain America. Ouais. Ouais, c'est ça, ton sens, c'est assuré. Et le Fantasia. C'est tout ? Ah oui, j'en ai bon. Je suis à quoi là sur le. Alors ça. Hop. J'espère qu'on verra bien. Alors, tiens, tu vas faire caméraman toi. Je crois. Alors, je vais tenir tout parce que j'ai besoin de tout. Attends. Alors, on vient de 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, 27, 28 et 29, hop, 30, 31, 32, alors, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. C'est bon, hein, 52, 53, hop, 54, 55, 56, 57, 58, 59, hop, 60, 61, 62. Soixante-trois, soixante-quatre, soixante-cinq, soixante-six, soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf, hop, soixante-dix, soixante-onze, soixante-douze, soixante-treize, soixante-quatorze, plutôt parce que tiens, avance un peu, avance. Ah, cache. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000 et 40. Okay. Voilà. Ok, il y a... Il y a beaucoup. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Petit stream rapide.